une fille qui soit avec son patron, elle est mariée, son mari connaît bien son patron et c'est son mari qui a acheté le travail pour elle. Elle assise dans le véhicule, dans mon taxi. Elle va à l'hôtel. Sur le chemin de l'hôtel, elle va se marier. Elle a crié, chauffeur, faut garer, à cause de Dieu, faut garer. Elle s'est abaissée. La voiture, son mari est en sortie. Attends, quoi, son mari attend que j'ai. Elle dit, hein, qu'est-ce que vous parlez qu'elle est là? Qu'elle ne m'a pas mon copain comme ça? Qu'est-ce que mon patron, chauffeur? Que non, Dieu est fort. Elle a transféré un coup de ma voiture. Elle dit, Dieu est fort. Tout ce que j'ai pu lui dire, elle dit, non, papa, que Dieu est fort. C'est logique qu'elle ne va pas arriver. Elle dit, ah, chauffeur, pourquoi tu me parles comme ça? Elle dit, non, c'est la vérité. 1000 jours pour le protéger, un seul jour pour le voler. Il dit, ah, chauffeur, vraiment, ce que tu viens de me dire là, vraiment, il a changé. Hein. Mais il y a un grand problème. On a deux enfants avec mon mari, mais il y a un des hommes qui partit avant mon mari, mon premier. Mon mari ne sait pas.